qui a toujours discuté sur la question de l'armée militaire et pour l'améliorer. En par ailleurs, c'est oh, ben, bien, non, tout. Non, mais non. Et qui a pour l'améliorer? Tout à l'heure. Le président de la République, il y a deux choses. Le président de la République, il est là pour faire appliquer la Constitution. La Constitution dit qu'il y a deux institutions qui constituent la force publique. Il y a la police et la force armée d'Haïti. Il se trouve que le président, pendant la campagne, il était pris engagement pour le faire état général, mais pendant la campagne, en tout, il était pris engagement pour remobiliser la mer. Donc, c'est un homme de parole. Mm-hmm. Il tient sa promesse. Donc, sur ce point, je ne vais pas le reprocher. Donc, maintenant, est-ce que vous voulez dire que Mouna est agent Mouna est agent sectoriel, il connaît ça, pas touche. Non, mais. Touche la mer. Pour changer la mer, là, il faut modifier la constitution. Je ne sais pas qui est haïtien, qui a bien courage face à l'histoire. Tenant compte de du passé de ce pays, qui, bon, sous la mode de mon président Préval, là, qui toi dis, t'es homme de gauche, il va te supprimer. Mais on va pas le demander là, qu'on est là. Pas besoin de président. Non, mais non, tout à l'heure. Aucun haïtien, bon, même pas quoi ça. Aucun, pas oublier que l'histoire de ce pays, l'armée, c'est la colonne vertébrale de la société. C'est l'armée qui construit l'État, pour faire une nation, pour qu'on finisse rivé. Donc, c'est l'armée qui bat l'indépendance. Bah, quoi, haïtien doit de bon sens, et qui comprend l'engagement, et puis d'ailleurs, l'environnement international ne se prépare pas. Écoutez, aujourd'hui, le terrorisme est partout dans le monde. Donc, moi, je crois que aujourd'hui, que jamais, Haïti doit se donner des moyens pour contribuer à la sécurité internationale. L'armée, ça vient de combattre le terrorisme. Non, mais écoutez, pas un plan de développement de l'institution militaire. Peut-être dans un premier moment. Ah, ben, bien sûr. Si on bagaille, écoutez, fond by pays à capacité, même là, il a besoin d'aide extérieure dans un premier temps pour le porter appui by tête li. Donc, moi, je crois que, pas un Kenaïsien de bon sens qui a dit que pas supprimer l'institution militaire. D'ailleurs, c'est un héros de 1994. D'ailleurs, ouais, même monsieur Sauté au pouvoir, le fait amendement, il n'a pas supprimé. Parce que t'as fait une grande responsabilité face à l'histoire. Personne haïtien pas le faire ça. Pour moi-même, quand on débat sur l'armée, est-ce qu'on a besoin de l'armée plus professionnelle? Oui, je pense qu'il faut un débat sur ça. Mais c'est pour un débat qui peut le dire oui pour nous supprimer. Mais n'oublie pas, c'est l'armée qui fait l'État. Donc aujourd'hui, qu'on ne paquet de pays. Oui. On va pas le débat pour dire on va le diriger. Et l'âme du comité pilotage en important. Non, tout à l'heure. Il faut un appel historique à vous. Peut-être que quelqu'un peut me dire là, il faut un appel historique. Qui haïtien ou pensez qui pourrait le dire? C'est vrai que l'armée d'Haïti n'était guère avant 1994, il était en folle de police, il a fait interaction entre les citoyens. C'était anormal. Parce que voilà, mais ce n'est pas rôle pour bailler sécurité au quotidien avec des citoyens. La guerre sur Haïti, mais c'est travailler la police. Aujourd'hui, la police est là pour faire l'interaction entre les citoyens. Mais il y a la même, parce que nous avons besoin d'un code d'hygiène militaire. Vous savez, aux États-Unis, puis au travail, c'est l'armée américaine qui fait. Donc, nous avons besoin de métiers pour aider nous faire reboisement, etc. Un code génie militaire, un code médical pour aider la population. C'est ça, oui. C'est pour l'armée qui va l'arrêter, moun, etc. Bah, qu'on a essayé de bon sens, t'as pensé que nous n'avons pas besoin de ça. Ok, la Constitution gagne et commission qui est dirigée par le député de Pétionville, Jerry Tardieu, oui. Qui et travaille pendant une année, fait des rencontres à travers pays, dans la diaspora, etc. pour sortir les documents, ce que passe à la nation, comme ça. Et est-ce que État général sectoriel, il parle pas de documents, ça, il parle de servir de base. Bon, justement. Ça va sous constitution. Il a continué parallèlement travail qui a fait des constitutions. Bon, mais ça me garde, c'est que nous pas grand-pile corps, nous pas grand-pile temps. C'est vrai que par ailleurs, le député Tadieu avait réalisé un travail conséquent. C'est dévoué le bas moins, mon travail très volumineux. L'État général a tout, il y a un aspect tout de la gouvernance. Et quand on parle de gouvernance au niveau politique, c'est la constitution. Donc, on pense que le document, ça probablement l'a versé au travail technique des États généraux sectoriels de la nation. Et puis, il n'y a pas apprécié la charge de valeur. Donc, là encore, bon, ça, c'est le travail. Par ailleurs, moi, je crois que l'amendement, une fois que c'est, on veut avoir de l'adhésion de beaucoup de gens sur le document, mais le travail là, c'est un travail institutionnel qui va être fait par le Parlement. Il va avoir un dialogue institutionnel parce que pour faire le. Pour faire le
pour faire l'amendement, on a besoin de deux pouvoirs politiques, il faut être d'accord sur les. Il y a le Parlement et l'exécutif. Donc, quand il y aura les dialogues institutionnels, on verra, parce que la Constitution, c'est quoi? C'est la Constitution dit comment fonctionnent et répartissent les pouvoirs de l'État. C'est vrai, on peut avoir l'apport de la société civile, des autres corps, mais avant tout, une Constitution, c'est un chat qui dit comment il y a organisé le pouvoir de l'État. Donc, à un moment-là, il va avoir des dialogues entre l'exécutif et le Parlement, et pour eux, qui articulent nos d'accord de façon consensuelle. Non, mais non, bien sûr, même l'État généraux a fait une fête. Mais non, non, mais écoutez, l'État généraux a fait une fête de toute façon, document. C'est à transférer dans le Parlement. Donc, il va faire un bon dialogue. Ah, non, pour si c'est venu, il est d'accord pour modifier. Si il y a une proposition pour ta modifier. Mais si c'est une nouvelle constitution. Non, c'est une autre démarche. C'est une autre démarche. À ce moment-là, c'est le peuple qui sera convoqué. Ça, c'est une autre démarche. Même dans la logique qu'on te voulait, c'est amendement. Si on a eu des amendements en profondeur ou bien mineurs qui lui fait, à ce moment-là, il va avoir un dialogue institutionnel. Le dialogue institutionnel, c'est les deux branches du pouvoir politique de l'État qui parlent comment pour mettre d'accord. Mais qui vient faire ou très catégorique alors mais ça pas le fait même parce que c'est comité pour t'a décidé de quoi de ça qu'elle fait non posez une question pour nous non je dis ou déjà des réponses mais le fait que vous m'avez posé une question vous pensez que m'gagon réponse dans la logique d'imposition dans la logique de proposition. Merci Guichard. Merci Marie-Lucie Bonhomme et merci tout auditeur qui t'a écouté. Est-ce que vous pensez maintenant ou clair à Mounio là? Ah, je pense que c'est réponse que je gagne, en tout cas. Ou bien dire réponse que je gagne. Oui. Merci beaucoup, on va dire à bientôt. Okay, et sur Vision 2000. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Invitez-nous. Je dis à le conseiller politique du PHTK, Guichard Doré, monsieur Doré, qui c'est conseiller du président Jovenel Moïse. Bon lundi, bonne semaine sur Vision 2000, bien sûr. Tout à l'heure. Le président de la République, il y a deux choses. Le président de la République, il est là pour faire appliquer la Constitution. La Constitution dit qu'il y a deux institutions qui constituent la force publique. Il y a la police et la force armée d'Haïti. Il se trouve que le président, pendant la campagne, il était pris engagement pour le faire état général, mais pendant la campagne, en tout, il était pris engagement pour le remobiliser la mer. Donc, c'est un homme de parole. Il sait sa promesse. Donc, sur ce point, je ne vais pas le reprocher. Donc, maintenant, est-ce que vous voulez dire que Mouna est agénieux? Mouna est agénieux sectoriel, il connaît ça, pas touche. Non, mais, touche là, mais... pour changer la mienne, il faut modifier la constitution. Je ne sais pas qui est haïtien, qui a bien courage face à l'histoire. Tenant compte de du passé de ce pays, qui, bon, sous la mode, mon président Préval, là, qui toi dis, t'es homme de gauche, il n'y a pas de supprimer. Bah, qu'on parle de la couleur. Mais, pas besoin de pour être venu aussi. Non, mais, non, tout à l'heure. Aucun haïtien, bon, même pas quoi ça. Aucun, pas oublier que l'histoire de ce pays, l'armée, c'est la colonne vertébrale de la société. C'est l'armée qui construit l'État, pour amener un abgoumé pour une faire nation, pour qu'on finisse arriver. Donc, c'est l'armée qui baille l'indépendance. Bah, quoi, haïtien doit de bon sens, et qui comprenne l'engagement, et puis d'ailleurs, l'environnement international ne se prévête pas. Écoutez, aujourd'hui, le terrorisme est partout dans le monde. Donc, moi, je crois que aujourd'hui, que jamais, Haïti doit se donner des moyens pour contribuer à la sécurité internationale. L'armée, ça vient de combattre le terrorisme. Non, mais écoutez, pas un plan de développement de l'institution militaire. Peut-être dans un premier moment. Ah, ben, bien sûr. Si on bagaille, écoutez, faut un pays à capacité, même là, il a besoin d'aide extérieure dans un premier temps pour le porter appui à tête li. Donc, moi, je crois que pas un Kenaïsien doit de bon sens qui a dit que pas supprimer l'institution militaire. D'ailleurs, c'est un erreur de 1994. D'ailleurs, ouais, même monsieur Sauté au pouvoir, le fait amendement, il n'a pas supprimé. Parce que tu as fait une grande responsabilité face à l'histoire. Personne n'a essayé de faire ça. Pour moi-même, quand on débat sur l'armée, est-ce qu'on a besoin de l'armée plus professionnelle? Oui, je pense qu'il faut un débat sur ça. Mais c'est pour un débat qui peut le dire oui pour nous supprimer. Mais n'oublie pas, c'est l'armée qui fait l'État. Donc aujourd'hui, qu'on pas quel pays. Débat. Pour dire, on va le diriger. Et l'âme du comité pilotage en important. Non, tout à l'heure. Il faut un appel historique avec vous. Peut-être que quelqu'un peut me dire, là, il faut un appel historique. Qui haïtien ou pensez qui pourrait le dire? C'est vrai que l'armée d'Haïti n'était guère avant 94 ans, il était en plein folle de police, il a fait interaction entre les citoyens. C'est anormal.
parce que voilà, mais c'est pas rôle pour bailler sécurité au quotidien avec des citoyens. La gambe sur Haïti, mais c'est travailler la police. Aujourd'hui la police est là pour faire l'interaction entre les citoyens, mais il y a la même parce que nous avons besoin d'un code d'hygiène militaire. Vous savez aux États-Unis, puis au travail où tu fais, c'est l'armée américaine qui fait. Donc nous avons besoin là de métiers pour aider nous faire reboisement, etc. Un code d'hygiène militaire, un code médical pour aider la population. C'est ça, oui. C'est bon, l'armée qui va l'arrêter, moun, etc. Bah qu'on va essayer de bon sens, t'as pensé que nous pas besoin de ça. Ok, la constitution gagnée et commission qui est dirigée par le député de Pétionville, Jerry Tardieu, oui. Qui et travaille pendant une année, fait des rencontres à travers pays, à la diaspora, etc. pour sortir les documents, ce qu'on passe à la nation, pareil comme ça. Et est-ce que État généraux sectoriel, il parle pas de document ça, il parle de servir de base. Bon, justement. Ça va sous constitution. Bon. Il a continué parallèlement travail que l'on fait pour la constitution. Bon, mais ça me garde, c'est que nous pas grand pile le corps, nous pas grand pile le temps. C'est vrai que par ailleurs, le député Tadieu avait réalisé un travail conséquent. C'est dévoué le bas moi, mon travail très volumineux. L'État généraux a tout, il y a un aspect tout de la gouvernance. Et quand on parle de gouvernance au niveau politique, c'est la constitution. Mm-hmm. Donc, on pense que le document, ça probablement la versé au travail technique des États généraux sectoriels de la nation. Et puis, il n'y a pas apprécié la charge de valeur. Donc, là encore, bon, ça, c'est le travail. Par ailleurs, moi, je crois que l'amendement, une fois que c'est, on veut avoir de l'adhésion de beaucoup de gens sur le document, mais travail-là, c'est un travail institutionnel qui va être fait par le Parlement. Il va avoir un dialogue institutionnel parce que pour faire l'amendement, on a besoin de deux pouvoirs politiques qui sont d'accord sur lui. Au gain le Parlement et l'exécutif. Donc, quand il y aura le dialogue institutionnel, on verra parce que la Constitution, c'est quoi? C'est la Constitution dit comment fonctionnent et répartissent les pouvoirs de l'État. C'est vrai, on peut avoir l'apport de la société civile, des autres corps, mais avant tout, une Constitution, c'est un chat qui dit comment il y a organisé le pouvoir de l'État. Mmh. Donc, à un moment-là, il va y avoir des dialogues entre l'exécutif et le Parlement et pour qui articulent d'accord de façon consensuelle. Non, mais non bien sûr, même l'État généraux a fait une fête. Mais non, non, mais écoutez, l'État généraux a fait une fête de toute façon, document. C'est à transférer dans le Parlement. Donc, il va faire un bon dialogue. Ah, non, pour si c'est venu, il y a d'accord pour modifier. Si c'est une proposition pour ta modifier. Mais si c'est une nouvelle constitution. Non, c'est une autre démarche. C'est une autre démarche. À ce moment-là, c'est le peuple qui sera convoqué. Ça, c'est une autre démarche. Même dans la logique, quand tu veux là, c'est amendement. Mm-hmm. Si au cas où c'est des amendements en profondeur ou bien mineurs qui lui sont faits, à ce moment-là, il va avoir un dialogue institutionnel. Le dialogue institutionnel, c'est les deux branches du pouvoir politique de l'État qui parlent mm-hmm. comment pour y mettre d'accord. Mais qui vient faire ou très catégorique alors mais ça pas fait même parce que c'est comité pour t'a décidé de ça qu'elle fait non posez une question pour nous non je vous passez ou déjà des réponses mais le fait que vous m'avez posé une question vous pensez que m'a une réponse dans la logique d'imposition dans la logique de proposition. Merci Guy Chadoué. Merci Marie-Lucie Bonhomme et merci tout auditeur qui t'a écouté. Est-ce que vous pensez maintenant ou clair à Mounio là? Ah, je pense que c'est une réponse que je gagne. En tout cas. Ou bien dire réponse que je oui. Merci beaucoup. On a dit à bientôt. Okay, et sur Vision 2000. Merci tout le monde qui t'a suivi. Invitez-nous. Je dis à le conseiller politique du PHTK, Guy Chadoué. Monsieur Doré, qui c'est conseiller du président Jovenel Moïse. Bon lundi, bonne semaine sur Vision 2000, bien sûr.